Comment ça 15? C'est quoi ce type? Elle a quand même esquivé beaucoup d'attaques. Bon, elle a pris aussi deux coups à 8 à la 43% de précision. Mais le 15, je trouve toujours ça un peu agaçant quand un mec se ramène et vous inflige une énorme quantité de dégâts d'un coup. C'était quoi ce type? C'était lui. Bah oui, il a un Merlin acier. Il a 38. Voilà, 22. Donc techniquement, il a du 17 de dégâts sur elle. Ok, sûr. Le problème, c'est que ça snivie potentiellement que si elle esquive pas plus les attaques, elle va se faire tuer. Ah, j'aurais pas dû te laisser cette arme. J'avais dit justement que c'était bien de... Non, non. Quoique, après, l'avantage, c'est que tu tues pas ce type. Non, on va se la jouer... sécurisé. Là, Néphénie va pas pouvoir tuer son adversaire. De sorte que, grâce à ça, elle va pouvoir lui... Ah oui, par contre, ça annule le niveau de Driss. Bon, c'est tant pis. Bien sûr, c'était un superbe niveau. J'aurais dû m'attendre à ce qu'un personnage meure. Peu importe, donc bah là comme ça Néphénie va pas pouvoir tuer le général qui lui tape dessus, ça force les ennemis à attaquer Ike, ce qui d'une certaine manière marche aussi. Bien, ça au moins ça a pas changé. Ça ne semble pas changer beaucoup non plus. De toute façon, là, Ike va les massacrer en grande partie. Donc lui, il fuit. Lui, il s'avance. Lui, il attaque et il va se faire décalquer la tronche. Au moins, l'intérêt d'avoir Ike là, il va faire beaucoup de nettoyage. Normalement, je sais plus qui. Je crois que je mets Gatori et Néphénie ici. Mais bon, Néphénie n'est pas la plus, la plus impeccable dans cette carte. Donc, enfin, elle n'a pas le plus de facilité. Donc toi, à nouveau... Mais si tu touches Mia, je serais choqué parce que non seulement elle a beaucoup d'esquive, mais en plus, ben, elle a le rebord, donc crotte. Voilà, un de moins. Quoique non, attendez, Riz, j'ai sauvegardé avant ou après son gain de niveau? Ah, je sais plus, bref. Et là, voyez, de cette manière... esquive. Malheureusement, tu... Ah, tu lui fais 19, c'est toi, donc c'est peut-être pas... Ah oui, c'est parce que c'était l'archer tout à l'heure qui t'avait attaqué. Et là, tu le tues pas, de sorte que... Ben, crotte, en fait. Et voilà, d'autres renforts. Donc, déjà, on va sauvegarder, parce que pourquoi pas. Shinon, tu vas passer à l'arc en fer, tu vas lui tirer dessus. De toute façon, sans critique, tu les tueras pas, parce qu'ils ont trop de... C'est pas un problème de force, t'as une bonne force, c'est juste que, voilà, ils ont trop de vie. Il aurait fallu que je te mette un meilleur arc, mais j'allais pas te mettre ton arc personnel. Faut quand même pas abuser dans la vie. Et ouais, non, c'est bon, c'est ça, il va garder son gain de niveau. Bah écoute, tu vas continuer à aller pourfendre avec ben, de la lumière, tiens, en vérité. L'éclat est un peu exagéré. Voilà. De ce côté-ci, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux achever? Oui, tu peux. Toi, tu vas juste utiliser ton unique potion. Faudra que tu piques celle de Har après, j'imagine. Toi, tu vas passer au javelot, j'imagine. 18 de dégâts, mais 0 de précision. Mais tu vas achever ce type. Parce que sinon, il va attaquer Titania. Titania va le tuer. Elle va prendre super cher partout. Donc non, c'est bon. Tu t'achèves ce type. Tu pourras trucider ce mec-là après. Et lui, il va probablement attaquer Titania. Après, au moins, elle a une hache. Donc, elle devrait avoir moins de mal. Ah. La grande arbalète fait 14... Oh, waouh, la précision. La hachette te tue pas. Donc, c'est même pas la peine. Je sais même pas pourquoi je m'embêterais. Néphénie, tu vas lui balancer un coup des pieux. Cette fois-ci, normalement, il devrait pas y avoir de problème. Allez, oups.
Ouais. Ce type m'énerve cependant, mais après peut-être que je peux... Je vais faire un truc stupide, je sauvegardais avant. On sait jamais. Truc stupide en cours, veuillez patienter. J'ai aucune idée de ce que j'essaie d'imiter, mais c'était très nul. Toi tu peux repartir là-bas. Vous voyez quelle est la gloire et grandeur de ce truc. Et comme ça, toi tu vas pouvoir éviter de nous mettre plein de dégâts dans la face. J'ai cru qu'il allait toucher Ike au moment où j'ai ça. Voilà, la raison pour laquelle je sauvegarde, c'est parce que bien entendu, désormais, Ike est un petit peu... vulnérable. J'aurais pu le mettre ailleurs. J'aurais dû le mettre en fait. Bah quoi que non, je pouvais pas passer à cause de l'autre. Donc bon, voilà. Hop. Bon, il protège vaguement des phénix. Je m'attends à ce qu'elle se fasse attaquer de toute façon. Boy, j'ose rien faire avec toi parce que tu vas te faire attaquer. Je me dis, il vaut mieux que ce type t'attaque. T'esquives ou tu prends les dégâts, peu importe. Tu ripostes, tu infliges des dégâts. Au prochain tour, tu l'achèves. Plutôt que de attaquer, se prendre des dégâts, puis se refaire attaquer. Tu prends qu'un coup dans l'histoire. Les deux autres, vous pouvez rien faire de spécial, donc bah écoutez, on va... Idéalement, dès que eux, ils vont être morts, je vais essayer d'envoyer probablement Mia tuer ce type. La question c'est, est-ce qu'ils ont eu leur enfant entre-temps? Et la réponse sera probablement oui. Ah, je pense que tout le monde a agi. Je vais re-sauvegarder, parce que je suis un imbécile. Mais en fait, je pense que Ike va pas mourir. Et fin. Bah oui, j'ai sauvegardé avant d'envoyer Ike. Donc, ça, c'était prévisible. Mais au moins, l'avantage, c'est que elle a l'avantage. Ça, c'était pas prévisible du tout. Et il va pas mourir, donc d'une certaine manière, c'est pas si mal. Là, ils vont tous s'amasser et lui va décéder. Il avait zéro de précision et même s'il a pu en gagner un petit peu, ça serait quelques... Ça serait 5 à 10, donc j'aurais été choqué qu'il touche. De ce côté-ci, on a toujours les clowns qui peuvent pas attaquer. On va prendre d'assaut ces murailles. Quelqu'un a des javelots? Qui a oublié les javelots? Pourquoi tu doubles? C'est ils sont nuls. Notez que je m'en plains pas. C'est-à-dire, plus ils sont affaiblis... Pourquoi le type avec une hache double attaque alors que l'autre avec une lance ne le faisait pas? Oh. Mais. Ida n'est pas surpuissante, mais en l'occurrence, elle peut plutôt bien dérouiller ces types. C'est bien, approche-toi des murailles, c'est une très bonne idée. Avec non. Impec. Là, normalement, lui, il attaque Ike. Et pourquoi? Et ensuite, on a une grosse marée de paladins qui se ramène. Ouch! Tu! Enfin, tu peux pas vraiment tuer parce que t'es pas assez fort, mais... Et deux mages au fond. Bien. Donc, on va sauvegardationner. Parce que c'est cool. Toi, de toute façon, tu l'achèves. Je veux dire, t'as... L'idée, c'est que ça te fait gagner d'expérience facile. Donc, autant que je la prenne. Petit épieux, épée acier, blablabla, tu vas passer à... Non, ça va jamais l'achever, mais... Ah non, c'était le Merlin acier en plus, waouh. Tu lui fais très mal, mais tu le tues pas, donc je vois même pas l'intérêt, en fait. Ouch, ah, esquive un peu! Bon sang, t'as une vitesse décente, certain. C'est là qu'un remède ferait du bien. 28, 28, 32. Bon, ok, 32, ça fait mal, mais t'as 20 de défense, donc tu peux encaisser. De peu, mais tu peux encaisser. Oh la vache. J'espère vraiment que tu vas tenir, parce que Titania, c'était pas toi que je m'attendais à avoir des problèmes. Je veux dire, je m'attendais à ce que ça se passe. Tu peux balancer un adepte une fois de temps en temps. Je sais que t'adores les faire quand ça sert à rien, mais là, en l'occurrence, ça servirait. Ah oui non, c'était le couteau en acier, je t'avais mis le bon. Ça c'est bien. Ça c'est plus là. De votre côté, toi je pourrais te faire descendre pour que t'attaques et après tu meurs parce qu'il y a 50 types qui veulent te tuer. Qu'est-ce que je peux faire ici? De réel. Nathalie, tu peux le tuer, donc ça c'est bien.
Toi, tu peux pas, ce qui est pas étonnant. Mais est-ce que tu peux si on tape deux fois? Bah, tu peux le taper une première fois. Par contre, tu commences à prendre des dégâts. Mais à côté, je vais avoir libéré un petit peu la zone. Donc, ça devrait être bon. Le problème, c'est à quel point les autres sont proches. Vous, vous êtes proches. Et vous? Vous, vous l'êtes pas du tout. Oh, tiens, t'as un drac aussi, toi. J'avais pas fait gaffe, mais je m'en fiche. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est assez simple. 13, tu le laisses à 11. Et toi, tu le tues de toute façon. Parfait. Donc, toi, tu vas lui... Tu tues celui-là. Comme ça, Hype, tu le guerrier. Nefeni peut faire le tour pour tuer l'archer d'élite. Et comme ça, on est bon. Voilà, c'est bien. Boum. Pas vraiment à toi que j'aurais préféré donner le kill, mais je donne à qui je peux. Boyd, par contre, tu reprends ta place. Y a personne qui peut immédiatement monter à ce rebord, mais je veux dire, on sait jamais. Si je me plante, je préfère avoir quelqu'un qui protège plutôt que autre chose. Comme ça, Ike, il peut s'avancer ici et... Ok, je sais pas ce que j'ai fait, peu importe. Bam! Comme ça, ça fait un autre Antikiner de moins dans ma face. Et je croiserai les doigts pour que Nefeni ne... Quoique, pourquoi je dis ça? Nefeni, tu peux te mettre ici et comme ça, tu t'avances pas trop. Parce que sinon, je la mettais ici et à ce moment-là, elle pouvait se faire attaquer par tout le monde. Alors que là, elle peut se faire attaquer que par Angus à la fois et il y a Ike pile à côté. Ça devrait être bon. Je commence à me demander si je vais pas en placer son haine par Mia histoire d'au moins pouvoir doubler ces types. Le problème, c'est que sans bonus de l'arme et... Avec les dégâts quand même relativement modérés de Mia, je m'attends pas à ce qu'elle les tue de toute façon et... Bref, on va bien voir ce que ça donne. De toute façon, il va être obligé de passer par là-bas un petit peu et ce type-là va probablement attaquer Heather et se faire massacrer. Lui, il va probablement se mettre à côté devant Heather aussi ou je sais pas quoi, bref. La question, c'est est-ce que Titania meurt? Donc le mec a la lame acier. Oh, elle a esquivé! Enfin! Vous voyez bien que ça arrive un jour? Je veux dire, Ar, il esquive pas. Mais Ar, il prend un. Bon, à côté, les types, c'est... Ils font pas si mal que ça, là. Ah, bon. Je pensais que ça serait différent. Mais ouch! Bien. Au moins, l'expérience grimpe tranquillement. Ça, c'était prévisible. Plouk, pouek. Je m'attends à ce que le soigneur s'enfuit. Ah, crotte, il s'en va loin. Tant pis. Bah, ça m'arrangeait bien qu'il soit tout là-bas. J'aurais pu essayer de le massacrer un moment. Bien, tu. Non, hein. Mais il a créé pas mal de mouvements pour venir ici. Donc, ouais, il peut pas s'enfuir. Comme ça, l'autre attaque Ike qui va le sprouch. Sprouch. Oui, plein d'XP à récupérer ici. Normalement, c'est dans cette carte que j'obtiens la promotion de Nefeni. Puisque je lui fais faire masse de combats et elle est... Enfin, elle est à peu près comme elle est là, en fait. Hein. C'est juste que d'habitude, ça se passe un peu mieux parce qu'elle esquive davantage. Ike, tu vas t'avancer et massacrer Steve puisque son existence m'indiffère. M'indiffère, conifère. Mais... Pas excellent considérant que t'as floraison d'équiper, mais... Me dire pourquoi pas. Ça donne un peu plus de défense dans un chapitre où il en faut, donc je vais quand même pas me plaindre. Voilà. Soren, bah écoute, tu vas pouvoir trucider ce type, ce qui est déjà pas mal. J'hésite à faire descendre Mia, j'hésite vraiment, parce que elle est... Sans dire qu'elle est increvable, elle est vachement forte. Le problème, c'est que j'ai peur pour... Eh, je pourrais, je pense pas qu'il y a grand monde qui peut vraiment l'atteindre. Là, on a pas mal nettoyé la zone. Tu sais quoi, Mia, tu vas descendre ici. Tu vas t'équiper l'épée acier, puisque tu feras plus mal avec. Et ce sera déjà pas mal. Toi, tu vas pouvoir balancer des coups. Tu pourrais faire un critique un jour, t'as un bonus, tu sais. Bref, niveau supérieur, blablabla, niveau 16. Bourri! Bon, après... T'as des hautes stats partout, mais t'as pas maxé tant de trucs que ça. Je peux imaginer que t'as maxé les PV éventuellement, même si je crois que ton maximum c'est 60.
Donc peut-être pas. Mais t'as que la technique et la vitesse de maxé. Je l'admets, c'était plus haute. Vas-y au couteau bronze. Je veux dire ça sérieusement. Voilà. Même elle, elle fait un peu de combat. Et pendant ce temps, Oscar il boude. Pas mal, pas mal. Ça augmente pas tes capacités offensives, mais... T'as maxé ta résistance, je suppose que c'est déjà pas mal. Tu mourras en peut-être pas deux coups, mais peut-être trois, vaguement au mieux. Mais les skills et la technique sont toujours appréciables à prendre. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Gatori, tu as bousculé Néphénie pour qu'elle soit un peu plus proche. Toi, malheureusement, ça te fait griller trop de déplacements, donc je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que tu vas juste te mettre derrière lui pour le soigner. J'aurais dû le faire le garde hors pour l'expérience, mais tant pis. Toi, parfait, tu peux l'achever. Proche. Et niveau supérieur. Niveau 11. Ouais, 11. Bœuf. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai dit qu'il faudrait que tu gagnes de la défense et tu gagnes de la défense. Mais j'avais escompté que déjà, tu devrais gagner de la résistance en plus, histoire de montrer que j'avais totalement prévu tout ça. Et surtout, j'aimerais que tu gagnes de la vitesse, parce que mine de rien, t'as un archer, et archer, c'est offensif. Et niveau supérieur aussi, niveau 18. Pourri. Vous voyez pourquoi je voulais le BXP? Parce que ça augmente pas ces deux statistiques faibles sur la chance à la distance. Et quand il gagne plus en PV, je me demande si effectivement il n'a pas atteint son maximum PV possible pour cette promotion. Voilà, un petit peu de potion, ça va te faire du bien. Seulement t'as accès aux lances, aux épées, à cette promotion, plutôt que de devoir attendre la suivante. Ça serait quand même bien mieux, bref. Ça donne quoi niveau carte? 20. Waouh, on a déjà déraciné presque une trentaine de gus, parce qu'ils ont eu quelques renforts, les enquiquineurs. Bref. Je sais pas si je vais viser la goutte. Je veux dire, je pourrais techniquement. Je crois qu'ils ont des renforts en haut à gauche par contre, donc ce serait une mauvaise idée d'envoyer du gens sans tenir compte de rien, mais bon. Et Titania niveau 18 aussi, je crois. Ouais, 18. Eh, pas mal. Un peu de vitesse. Genre la statistique, il semble te faire défaut pour esquiver des attaques. Je sais que t'as pas l'avantage de l'arme, mais il y a quand même une limite. 18 seulement. Crotte. Ouh! Alors là, par contre, c'est une erreur que tu vas regretter. Ah, d'autres renforts. Et d'autres renforts encore. Mais je pense que je vais quand même avancer mes lignes un petit peu. Là, sur le côté, ça s'est plus ou moins bloqué. Donc, je veux dire, je vais sortir de la forteresse. On n'a plus besoin de cet endroit. Surtout qu'en plus, les endroits où on avait vraiment quoi que ce soit qu'on pouvait faire, on n'y faisait rien. Alors, toi, tu vas sortir l'épée vent. Et tu as expliqué à ce team ma conception du soin. Ça s'appelle arrête de soigner. Non, mais sérieusement, c'est bon. Il était lourd, là. On va... Effectivement, t'as 23... 25, 25. Sérieusement, ouais, vas-y, déracine-le. À nouveau, je veux pas... toi, tu as commencé à partir par là-bas, j'imagine. Je veux pas non plus y aller en mode... en avant, on s'en fiche de la forteresse trop, parce que je veux dire, à terme, faudra bien quand même la défendre. Donc c'était totalement inutile, et t'aurais mieux été là-bas pour pouvoir... bon, tant pis, c'est pas grave. Mmh. 10, donc il faudrait du 17 quelque part. Tellement tu fais le 17, mais toi tu le tues de toute façon, donc ça vaut pas le coup. Ouais, je veux dire, t'as tellement pris cher de toute façon que tu pourras bien aller te faire soigner derrière encore une fois. Crotte! Saleté de contre. Tu vas rester là. J'aurais dû mettre la hache en fer. J'avais pas anticipé contre. Petit épieu, blablabla. Bla. Écoute.
Tu vas te mettre là, tiens. Tu vas sortir la hachette, histoire de t'amuser un petit peu. Mais pas à ce point. Je veux dire, s'il affaiblit trop l'autre, il va juste se barrer et c'est pas l'idée générale. Toi, tu... Et puis tu vas rester là. Toi, c'est vrai que d'une certaine manière... zut. Ouch! Considérant qu'ils sont super fragiles, les ronds, ouais, c'est un peu dégoûtant. C'est genre très moche ce que je viens de faire, mais bon. Toi, tu vas y aller aussi, parce que mine de rien, t'as des haches et les ennemis se ramènent avec des lances, donc ça, tu vas pouvoir te venger un peu de cette escouade de... Voilà. Toi aussi, la HN, même si elle va pas durer des lustres, mais c'est surtout parce que j'ai pas envie que ça chante sur toi sous prétexte que tu peux pas vraiment te défendre. Et toi, tu vas te ramener derrière, de toute façon, il y a plus grand monde. Là, ouais, normalement, je fais pas ça. Normalement, je me contente de défendre. Dans la forteresse, plus ou moins jusqu'à la fin, mais en toute honnêteté, on va essayer de leur rouler sur la face un peu plus. Oscar, en vérité, tu vas venir ici et tu vas probablement tenir un point de défense quelconque au cas où il y a... Il commence à avoir des renforts vraiment gênants. Mais là, je veux dire, ils peuvent rien faire de spécial. Shinon, je pense que tu peux te ramener par ici si jamais il y a besoin. Toi, tu m'es inutile en toute honnêteté. J'admets que je t'ai pas beaucoup utilisé, mais tes trois niveaux ont pas été grandioses et tes statistiques sont très bien réparties sans être justement capable de vraiment s'imposer sur beaucoup d'autres choses. Bon, j'abuse, hein. Je dis pas que je suis totalement clean. Enfin, clean. Je suis pas sage, je me lave tous les jours, mais je veux dire, je suis pas nécessairement super sympa avec lui là. Mais faut dire, il m'a pas beaucoup impressionné, boy, jusque là. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a du Cabalucine, Dracocine, Arcassier, lam 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 lam. Tu vas te pointer. Ah, ça m'ennuie, j'ai peur quand même pour elle. Tu vas quand même sauvegarder la partie. Oui, toi, Néphéni, sauvegarde la partie. Tu vas te ramener ici, je pense. J'ai pas vraiment vérifié s'il y a quelque chose, quoi que ce soit. Tu vas utiliser un 9, parce que je veux dire, c'est pas le moment de faire son radin. Ah, et tu vas arriver de l'autre côté, en fait. Tu vas te mettre ici. Ouais, tu vas te mettre là. Tu vas te mettre là, tu vas équiper ton épée vent toute neuve. À nouveau, pour le concept du si tu dois beaucoup taper avec, autant que. Et tu as déjà une de ces potions, parce que mine de rien, ça fera du bien. Et on va tester ça. Donc bien sûr, il attaque Titania. Titania devrait pas les tuer, mais au moins elle les affaiblit bien. Et lui, il s'enfuit, elle le lâche qu'il est. Lui je crois que c'est celui au petit épieux, mais bien sûr il a aucune raison d'y aller à distance quand il peut faire au corps à corps, je suppose. Et tous les autres se ramènent. Bataille dommage. Ah, tu peux essayer de les tuer par contre. Bien. Et... Oui, il se rattrape à chaque fois quand ça sert à rien. Je sais pas, ça doit être sur son CV. Maître des cons. Regardez, maintenant que ça pouvait être utile, rien. C'est genre, c'est voulu. Après, il gagne quand même son niveau supérieur. Qui est pourri. Mais bon. Raté. Mais là, elle a plus les plus 2. Donc, elle va faire déjà beaucoup moins mal. Et en plus, elle a une épée vent au lieu de. Mais il n'y a plus le soigneur. Ah ah, une épée. Ah oui, c'est le Dracocide. Dis-moi, t'as grillé la majorité de ton moment. Ouais, parfait. Vas-y, Néphéni, t'as quand même quelques points que tu peux gagner ici ou là. Essaye de faire mieux qu'un simple point en force. Bien. J'aime bien Aïe qui tournoie sur un... Wouchou. Wouhou. C'est... Néphéni, vas-y. Tu peux le faire. Un bon gain de niveau. Ah vache, ça fait plein de gens qui veulent sa mort. Et plein de gens qui vont avoir achevé d'une manière ou d'une autre au prochain tour. Ah! Bon, c'est pas exécrable, je veux dire, mais j'aimerais bien qu'elle gagne plus qu'un point. Allez, Eric, pirouette! Ha! Ha! Et encore d'autres renforts. Des mages. Le truc, c'est qu'ils peuvent rien atteindre de réel. Ouais, Rhys au moins sur le magique s'en fiche. Ils font tous zéro.
Achève ce type parce que tu doubles personne de toute façon. Là, la question, c'est est-ce que lui, il peut grimper? Non. Lui, il peut grimper? Non. Donc, Soren, tu vas te mettre ici et tu vas balancer double foudre.